J'ai couru parmi cette végétation méditerranéenne. C'est vrai que tu étais coureur. Moi, j'étais balayeur, mais toi, tu étais coureur. Tu as fait beaucoup de courses à pied. Mon père avait eu le privilège d'ouvrir les sentiers de promenade du troisième âge. Ouais. Il y avait déjà de la randonnée pédestre qui se pratiquait. Certains pratiquent l'escalade là. Ils viennent s'entraîner, oui. Ouais, c'est devenu à la mode de la varap, etc. C'est marrant parce que ce genre de sculpture, comme il laisse un socle, ça fait quelque chose qui sort de la roche. Le rapace, ouais. Ah ouais, là, c'est, ça a l'air profond. Hein. Là, il ne faut pas y aller quand on a le vertige. Hein. C'est... Waouh, c'est ce qui manque. Hein. Donc, il y a de la profondeur, c'est ce qui manque le plus de nos jours, d'ailleurs. La sculpture est bien mise en valeur. Ça pourrait être en fait une falaise, bord de mer, etc. Et la sirène en train de se reposer. Alors l'explication c'est quoi en fait là c'est... Tu as des colonnes qui ont été extraites, ouais. Brutes. Ah d'accord. Et qui vont après être transportées. Quand c'était ébauché, tu mettais des coins en bois. D'accord. Du figuier généralement, qui est un bois qui gonfle. Oui. Donc ils arrosaient ces coins. Et voilà, et ça soutenait la colonne et ils pouvaient finir de couper. D'accord. L'opercule qu'ils avaient laissé. C'était, c'était leur hydraulique à eux, avec le figuier, c'était de l'hydraulique déjà. Ça nous, alors, plus petite, évidemment, ça ressemble un peu à l'île de Pâques, où il y a des morceaux de statues aussi qui sont laissés. Et quand... Voilà, oui, 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 oui. Ah, très bien. Alors, il les mettait après sur un chariot. Après, c'était sur des chariots. Avec des chevaux, et il les amenait à Carcassonne. Avec des mules. Il les amenait à Carcassonne. Ça partait par chariot jusqu'à Narbonne. Jusqu'à Narbonne. Narbonne, c'était ensuite transbordé sur des bateaux qui faisaient le tour de la péninsule ibérique et qui remontaient à la mouchure de la Seine. Ah oui. Qui était le maître d'œuvre de Louis XIV pour les... Je crois que c'est marqué sur un panneau là-bas. Vous avez un chien qui est un vrai chamois là. Elle est croisée avec une chèvre. Ah, c'est une chèvre. Tu sais que des fois elle me descend de là-haut ou elle monte direct d'en bas jusqu'à là-haut. Ah oui, d'accord. Bien. Pourtant, bien. Elle n'est pas jeune. Hein. Ah. Bon. Ah, voilà les explications. Voilà le nom. Ah, Michel Martin. Commis du roi à la direction des marbreries de Cône, de Languedoc et des Pyrénées. Michel Martin. Ça, c'est un très bon prénom. Par et derrière, il y a la carrière d'exploitation. Là. D'accord. C'est quoi ça? C'est le téléphérique? Et la tyrolienne? C'est trois brins d'acier torsadés. Mais c'est du solide, hein. C'est pas de la ferraille. Hein. D'accord. Voilà. Donc. Il était entretenu avec de l'eau et du. De l'eau et du sable. Et du sable. Parce que c'était pas l'acier qui coupait le marbre. C'était le sable. Le qui frottement, était de la, le frottement du de la silice, hein, qui est de la silice, donc plus que le marbre, qui elle sciait. Ouais. On voit ici une gorge neuve. Regardez quand elle a servi. C'était le fil à découper le marbre et pas le beurre. Non, on pouvait couper le beurre. On pouvait couper le beurre, ouais. Parce que quand il fallait régler les poulies, ouais. Là-haut, au fur et à mesure que le fil descendait dans la coupe, ils n'arrêtaient pas la machine. Donc, d'accord.
continuer. Il déplaçait le fil. Il déplaçait les poulies. Ah, les poulies. Ils orientaient plus ou moins les poulies. D'accord, comme on voit là-bas. Ouais. Donc, ce qui veut dire que de temps en temps, il y avait quelques doigts. Oui, c'est un peu comme le métier de... De compétition et le menuisier. De menuisier, oui. Souvent, c'est, la... c'est l'accident professionnel des menuisiers. Et là, c'est l'intérieur à carrière. La carrière avec les fils qui découpaient les blocs. Ouais. Peut-être y faire un petit tour dans la carrière, là, non? C'est bien, quand même. Là, voilà. Il y a eu quand même 10 000 mètres cubes d'extrait, là. Ah oui, ouais, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Ah ouais, alors c'est pas trop figuratif, évidemment, pour représenter le vent. Il y a deux sortes de... La grande voile, c'est le marais. Le marais. C'est le vent qu'on a aujourd'hui. D'accord. D'accord. Le vent s'appelait Bufentis. Le dieu du vent. On avait fait ça une fois avec Stéphane. Le dieu du vent. Le jardin des Marmières, et ça a été créé à peu près En 2018. On a commencé en 2018. La commune a acheté, acheté le terrain et puis a proposé aux Marbrières de faire un lieu de représentatif du marbre de Cogne. D'accord. On a décidé de faire quatre sculptures. D'accord. Sur les points cardinaux, donc. Et on cadrait sur les rondes. Pas de suite. D'abord, pas de suite, après, c'est venu plus tard. Les sculptures ont été faites. On a laissé ça aux idées des sculpteurs. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, en fait, de représenter, comme vous voyez, les points cardinaux. La couleur de Montpellier, là vous avez le lézard osselé. Oui, d'accord. Le grand duc, qui est sur la gauche. D'accord. Non, la faune qui est immortalisée. Alors, quoi mettre au centre, bien sûr, logiquement ? Un cadran solaire. On est dans un pays de vent, mais aussi de soleil. Donc on va aller vers le cadran solaire un peu. La direction du soleil, c'est l'azimut. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et à chaque point du soleil, vous aurez un point horaire. D'accord, là, on se met ici. En fonction de la date. Voilà. Vous vous positionnez en fonction de la date sur l'axe. Ah, il y a les dates, oui, c'est écrit un petit, là. Il y a une gravure, là, il y a un 10, par exemple. Hein. Du 1er octobre. Un 9, etc. C'est là où on se positionne. Et le mois de mai. Et là, oui, le mois de mai, le joli mois de mai, où il est. Mais alors, il faut se mettre comme les échassiers sur un seul, parce que c'est... Et là, faisant de l'ombre, moi, je me trouve en plein soleil. C'est une belle idée. Très bien. Et c'est une idée aussi sur le travail, quand même, du tailleur de marbre. Hein, oui, au moins, vous mettez à l'honneur les générations qui ont travaillé dans le marbre. Tonnage du Minerva. Voilà. Magnifique. C'est un lieu de relaxation. Les marbres, eh bien, ils n'ont pas tous de cônes. D'accord. Preuve qu'on avait une certaine attirance, notoriété. Notoriété. On nous donnait des marbres à sculpter. À travailler. Un rayonnement, donc. Des Pyrénées, mais aussi d'Italie. L'emblème de la maison, du rang social, surtout, c'était la cheminée. Pourvu que la cheminée soit la plus grande. Dans les chambres, en principe. Non, ils savent. Il y avait de graves cheminées. C'est un cheminée, là ? Oui. Ah, c'est un cheminée. Bah, un cheminée de Jaloux. Une chambre. Ah oui, oui. Donc, voilà. Et oui. Dans les chambres, elles étaient de cette dimension. Voilà. Là, je revois mon père en train de se raser.
Ah ouais. Il mettait sa glace là ou là, et il se rasait à la lame. Et il avait un blaireau. Oui. Moi, j'ai gardé le blaireau de mon père. Je tiens un truc là. Le blaireau, ouais. Non, ce qui est bien, c'est que cet évier est surmonté de trois étagères, après ce coin, ce recoin. Voilà, le potager. Il y avait le poste TSF de l'époque, là. D'accord. Là, sur le toit, ici. Ah oui, au-dessus, oui. Ah. Ah, c'est chez toi, celui-là aussi? Oui. Ah ouais. On écoutait la TSF. Il y avait la cheminée entre les deux. Là, on est rentré dans ton intimité, là. Hein, ça. Pratiquement. Ouais. Donc, c'était... un ensemble, quand même, avec la cheminée. Ça, c'est des maisons bourgeoises du 19e siècle. C'est très noté au niveau période de création. D'accord. À partir de 1850, à peu près. D'accord. Oui. C'était les marbreries de Cône qui faisaient ça. Ah oui, absolument. Ça, c'est du marbre de Cône. J'ai vu la fin des deux marbreries. Celle où il y a le restaurant. Il y en avait plusieurs. Et celle qui était avant la... Il y en avait au moins quatre. Il y en avait quatre. Moi, j'en ai connu deux. Huit. Bon, ça aussi, le religieux, il y en a partout. Hein. Oui, oui, évidemment. Non seulement les lieux emblématiques comme la basilique Saint-Pierre. Oui. Bon, c'est déjà l'emblème de la chrétienté, mais on en trouve dans toutes les églises d'Occitanie, pratiquement. Il y a Mirepoix, qui c'est particulièrement beau. Hein, il y a des Narbonne, Béziers, Toulouse, voilà. Toulouse, oui, Saint-Étienne, partout. Il nous faut y aller, les enfants. Frites maison? Elle est avec des frites maison, la saucisse. Oui, les légumes de saison. D'accord, très bien. Merci, messieurs. Allez, santé. Est-ce que vous voulez pas un peu de jambon à partager à trois? Oui, quelque chose comme ça. Les tapas. Oui, je suis né au village au-dessus, à 7 km. Le 16 février 46, il neigeait, il y avait ça de neige. Donc la circulation n'était pas possible, le bus n'est pas passé. Et mon père a dit, bon, j'irai demain le déclarer. Il est venu avec les bottes ici à la mairie. Et je suis officiellement avec un jour de rab, puisque je suis déclaré le 17. Mais en réalité, je suis du 16. Je voyais surtout les gens qui travaillaient à la carrière. Parce qu'à l'époque, il y avait une exploitation avec la dynamite. Les blocs de marbre étaient dynamités pour tomber d'une certaine façon en bloc. Après, ça s'est amélioré avec les techniques. Et il y avait 4 ou 5 ouvriers d'origine connoise qui travaillaient à la carrière. Les blocs étaient acheminés sur la ligne de chemin de fer qui est derrière nous, qui était derrière nous, pardon. Elle a été supprimée en 64. C'était des ouvriers, et puis le marbre partait à l'étranger pour être transformé ou amélioré et vendu à des palaces ou à des gens fortunés. Bon, c'est pas un gros marché, mais il est là depuis des siècles. Chaque village ou chaque aire géographique a sa spécificité. Ici, c'est le marbre. Bon, il n'y a pas que du marbre rouge, il y a du marbre gris, etc. Mais c'est certains types au pluriel de marbre. Je pense qu'il y avait une certaine population, peut-être autochtone, peut-être venue d'ailleurs, qui travaillait dans ces carrières de marbre. Et donc, un village, hein, c'est marqué par le terroir. Parce que quand on parle de terroir, y compris de vignes, on parle souvent, alors pas des marbres, mais on parle sol schisteux, sol ceci, sol cela, et les vins ont la qualité de leur sol et de leurs habitats. Mais le terroir vécu, c'était la vie que je n'ai pas connue, moi, hein, parce que j'étais ailleurs à ce moment-là, j'étais en Lozère, mais la vie de village. D'ailleurs, voilà, comme quand tu me disais, là on descendait la rue avec des plages, etc. Cette vie de village, ça c'est quelque chose qui se perd petit à petit. Quoi. Moi j'ai tellement voyagé que j'ai vu plusieurs terroirs. J'ai fini dans le désert même. Donc ici je venais souvent pour les vendanges. J'étais réquisitionné par mes parents parce que la main d'œuvre enfantine était coutume. Hein. On rentrait même en retard au lycée. On nous accordait 15 jours de vendange. Bon, on était des simples ouvriers non payés, évidemment.
c'était intéressant parce qu'il y avait des Portugais ou des Espagnols qui venaient travailler avec nous, qui avaient connu la période difficile en Espagne avec la guerre civile. Ils nous ont raconté tout ce qu'ils avaient vécu. Ça nous a marqué quand même, jeune enfant. Et puis le niveau de vie de l'Espagne n'était pas celui qui est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de misère. Ils venaient par wagon entier à Narbonne. Et mon père descendait là-bas, s'adressait à eux. Vous êtes embauchés, non, vous venez, oui. Et les amener pour les loger et les nourrir. Fais des gouttes. Oui, peut-être, je crois. Oui, on prévoit le pire. Alors, nous avons une citation de Jean Jaurès. La République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, avoir sa part de la souveraineté sur un marbre de cône abondant autour de cette belle fontaine. Religieux. Libre. D'accord. Donc là, t'as pas été à l'école là, non? Non. Tu étais où à l'école? À l'école laïque. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Voilà. Alors on va vous demander de vous accompagner si c'est possible, une dizaine de minutes. Ouais, ok. Donc d'abord, en premier lieu, je vous présente le cloître, cloître qui date du 18e, de style classique, qui a été restauré récemment. Grâce à la commune, puisque à la Révolution, quand les moines sont partis, les bâtiments ont été vendus comme biens nationaux, des familles se sont installées et le cloître a été utilisé pour tout et n'importe quoi. D'accord. Donc lorsque la mairie est devenue totalement propriétaire, l'urgence a été de restaurer le cloître tel qu'il était au 18e. D'accord. Donc c'est un cloître sobre, mais qui correspondait à la mentalité des moines qui était en place à cette époque au 17e. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que dans la galerie côté église, des archéologues sont venus il y a quelques années et ont découvert 3 mètres plus bas le sol du premier cloître du 12e. Alors après, ici, l'originalité de cette galerie souterraine, c'est la calade. Oui, ça c'est très joli là. On situe de petites galeries de rivière disposées en épi ou en arête de poisson. Là, il y a une. Et là, ici, la superbe surprise, c'est ce décor au sol réalisé avec des briquettes rouges. On ne sait pas trop ce que ça représente. Peut-être une croix, les 4 points cardinaux, une carte au trésor, certainement pas. On a déjà fouillé, on n'a rien trouvé. Alors ici, dans cette partie du bras du transept, bon évidemment c'est le marbre qui est très présent, mais qu'on va voir plus tard dans l'église, le marbre de cône très célèbre, un marbre rouge veiné de blanc, toutes les autres couleurs de marbre que l'on peut voir dans les différentes chapelles ou même dans le maître-autel qu'on verra après, depuis peu on sait que ça vient de cône, puisqu'on a retrouvé l'emplacement des carrières qui correspondent à ces couleurs. Le marbre de cône, aujourd'hui on a des sculpteurs qui utilisent le marbre de cône rouge veiné de blanc et qui savent utiliser le veinage pour donner des expressions au visage ou pour, quand ils font des vasques, ils utilisent le blanc qui va faire le puits, si vous voulez, de la vasque. Mmh. Et ici, moi, ce que je tiens à vous faire remarquer surtout, c'est la voûte au-dessus de vos têtes. Oui, la voûte, ouais. C'est une voûte en arête, réalisée presque comme une coupole. Mais là, il y a eu un travail de génie au niveau de la construction, c'est qu'il n'y a pas de clé de voûte. Ah oui, oui, en oui. En fait, toutes les pierres font office de clé de voûte. Mais ça veut dire qu'il y a une étude au niveau des poussées qui est incroyable. Ça a été construit à la fin du 12e. Cette voûte est unique, elle n'a pas de nom. Par exemple, tous les enduits au niveau des voûtes de la toiture ont été complètement refaits parce que c'est dans un état pitoyable. Et puis bon, toutes les chapelles que l'on peut voir latérales
elles aussi ont subi un petit rafraîchissement. Les chapelles, hein. Temps, ouais. Les éclats de marbre, c'était... Là, il y a par exemple, il y a de très belles colonnes, là. Oui. C'est magnifique, hein. Les colonnes du Trianon, évidemment. Oh, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est... C'est vrai que souvent dans les églises, on trouve les morts de la Première Guerre mondiale, hein. Comme à Fanjeau, je crois. Et curieusement, j'ai trouvé celui de... du frère de mon grand-père, de mon grand-oncle. Il manque une lettre ici. Et puis c'était orthographié, donc, tu m'avais dit. Il fallait un I à la place du Y. Voilà. À l'époque, on ne faisait pas la différence. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses erreurs. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que ces œuvres ressemblent à du Michel-Ange. Et c'est vrai, regardez les détails, quoi. Les visages sont très fins, de jolies expressions, les drapés très fluides. Ça, c'est vraiment magnifique. L'autre originalité concernant le marbre de Caen, c'est le plutrin qui est ici au niveau du cœur. Ça date du 18e. Il est constitué du marbre de Caen, le fameux marbre turquin dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Et normalement, à l'origine, au 18e, les lutrins étaient en bois avec plein de peintures dorées. Oui. Bon, le nôtre, il est en marbre, ce qui est quand même plus original. Hein. Tout à fait. Mais par contre, comment il faisait, il montait là un peu? Je pense qu'il devait y avoir un marchepied. Hein. Oui. Ouais, il devait y avoir quelque chose, parce que là, bon, je suis relativement grand quand même, c'est peu. Oh, mais il devait y avoir un marchepied. Pour lire, c'est un petit peu de difficulté. Hein. Et là, ici, donc, nous sommes dans le cœur, où l'on peut voir de nombreuses stalles qui datent du 18e. Ce sont des stalles mauristes et elles sont assez sobres, tout comme ces moines l'étaient. D'accord. Ce qui leur a permis d'installer des stalles, mais aussi de restaurer toute l'abbaye, parce qu'à leur arrivée, l'abbaye était dans un sale état. Hein. Ce qui est à voir aussi au niveau du chœur, ce sont les trois vitraux qui datent du 19e. Quand on a fait les travaux d'assainissement, on est tombé sur le reste de ce mur. Et ce mur correspond à l'abside de la première église. Alors, il faut s'imaginer qu'il continue ici. Oui. Là, ça tournait. Et on voit en face la continuité du mur qui sort de terre. Donc, on avait une église carolingienne ici qui a été bâtie par un moine nommé Agnan. Et donc, ça a duré quelques siècles. Et puis, en 981, nos moines ont fait la découverte de reliques de saint martyr que nous avons toujours. Donc grâce à ces reliques, des pèlerins sont venus, de plus en plus nombreux, et notre église du 8e était devenue trop petite. Donc les moines ont préféré détruire cette église pour construire autour notre église actuelle, en beaucoup plus grand. Ils faisaient ici tout le tour du reliquaire et s'arrêtaient à chacune des niches pour rendre un culte aux reliques. Puisque dans ces niches, lorsqu'on les a débouchées, on a retrouvé des tables d'autel et des rétables. Et ce qui est étonnant ici aussi, c'est qu'on a retrouvé un joint de peinture rouge autour des pierres. À l'intérieur de l'abside romane, mais également à l'extérieur, on le voit au niveau du chevet. Cette peinture a été analysée, elle date du 11e siècle. Et donc on a compris qu'à l'époque romane, toutes les pierres possédaient ce joint de peinture rouge. Or la question, pourquoi? On a dit que c'était symbolique, que ça représentait le sang des saints martyrs de Caen. C'est vrai que ça aurait été logique. Alors en fait, c'est pas du tout ça. L'architecte des monuments historiques, lui, pense plutôt que c'était un trompe-l'œil. Parce que si on considère la construction, ce sont des cailloux, déposés les uns sur les autres. Bon, les jointes aux yandes rouges, ça faisait penser à des pierres de taille. En fait, nos moines n'avaient pas les moyens de se payer un tailleur de pierre. Okay. Et dans la petite niche là-bas, par transparence dans le miroir, vous allez voir une fresque romane qui a été retrouvée. Ah oui, oulala, ouais, d'accord. De chaque côté, deux absidioles, la tour du clocher au nord construite au début du 12e et au sud, la tour du trésor qui, elle, a été construite à la fin du 12e siècle. On va y aller. Oui. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation à vous.
On finit notre traversée du Minervois en rendant hommage à l'armée belge qui est venue ici se réfugier en 1940. Et aussi un lieu d'un drame familial. Mon grand-père maternel Louis est mort ici d'une circonstance un peu extraordinaire. Ils étaient trois frères en train de rouler leurs cigarettes parce qu'ils se préparaient à aller au combat avec l'arrivée des Allemands en prévision d'un combat vers Carcassonne. Ils se sont arrêtés ici et une mitraillette a été déclenchée par erreur. Elle a traversé la jambe de deux frères. Un a eu l'artère fémorale touchée à mort et l'autre a dû être amputé de la jambe droite. Le Haut Minervois remercie l'organisateur de ce film. Qu'est-ce que c'est qu'on entend ? Ah, il y a des travaux.